Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, il y a beaucoup de nouveautés qui rentrent à la boutique ces temps-ci. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un spécial jean Joseph Ripkoff parce qu'on a reçu plein de modèles diversifiés. Et Joseph Ripkoff, depuis la pandémie, s'est réinventé un peu comme tout le monde. Et puis, il fait des jeans vraiment spéciaux, pas des jeans basiques. Et puis, celles qui me connaissent, elles savent que s'il y a une fille qui aime bien porter les jeans, c'est moi, sauf que présentement, je ne peux pas en porter. Mais dès que je vais pouvoir, soyez assurés que j'aime choisir des modèles là-dedans, j'aime gâter. Par contre, ce que je porte aujourd'hui, mon haut, mon petit chemisier avec mon petit cardigan, manteau, c'est quelque chose que je peux très bien agencer avec le jean. Donc, on va commencer avec mon look du jour. Je porte un chemisier à carreaux avec une belle boucle ici. On peut la détacher également. Puis là, j'ai mis un petit manteau qu'on peut porter à l'extérieur bientôt, parce que les températures se réchauffent, ou à l'intérieur, comme je le fais aujourd'hui, agencé avec un petit bottillon. Ça fait un look plus printemps. Alors, pour les jeans, je commence avec celui-ci, un blanc au printemps. C'est tout le temps frais. Puis... ça en prend un dans sa garde-robe, je trouve, un jean blanc. Celui-ci, il est spécial parce que regardez, il y a comme un petit détail de fleurs au bas avec des petites pierres. Et sachez que Joseph Ripkoff, il fait les tailles de 2 à 22. Donc, il y a plusieurs choix pour plusieurs silhouettes différentes. Le jean blanc, c'était mon coup de cœur. J'ai mis aussi des couleurs de nain pâle. Un peu le même principe comme ce que je viens de vous montrer précédemment, avec des fleurs au bas. Mais c'est pas tout le monde qui aime le blanc, puis je peux comprendre. Donc, celle qui se cherche un jean plus passe-partout, celui-ci, ça pourrait être une belle option. Ensuite, il y a ce modèle-là. La petite frange au bas. Comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment des jeans spéciaux qu'il fait, c'est pas des jeans basiques. On en a des jeans basiques à la boutique aussi pour celles qui en recherchent. Mais là, aujourd'hui, le thème du jour, c'est Joseph Ripkoff. Donc, je vous montre des modèles plus spéciaux. Les petites pierres encore une fois sur le côté. J'ai celui-ci, je vous l'avais peut-être déjà présenté dans une capsule, qui a des écritures. Ça peut être super beau avec un chandail noir, avec un chandail blanc même, avec un veston. Ça fait un look relax, décontracté. Ensuite, il y a ce beau modèle-là qui est différent un peu au niveau de la couleur, qui est plus un gris charcoal. Puis encore une fois, c'est le bas de la jambe qui a des petits détails un peu spéciaux. Je les montre de plus près pour que vous puissiez me voir. J'ai cette belle couleur qui fait très printanier dans la couleur sable. Ce modèle-ci, on l'a également dans la couleur de nain. Lui, il y a des petits losanges au bas avec les petites pierres, encore une fois. Donc, ça aussi, au printemps, c'est une couleur là, qui est facilement portable. C'est le fun à porter, là, des couleurs plus pâles. On a besoin là, de gaieté. Et ce modèle-là, le dernier modèle que je vous montre pour aujourd'hui, qui est très féminin parce que regardez au bas de la jambe, on voit la petite boucle avec les pierres, mais aussi les perles. Puis celles qui sont craintives, qui disent ça au lavage, ça doit être plus difficile. Non, ça tient très bien. Puis pour vous donner un petit truc, vous pouvez retourner vos jeans également. Vous l'avez à délicat, suspendre pour sécher, puis il ne devrait pas avoir de problème. Et là, j'en profite pour vous dire que le 7 avril, mettez ça à votre agenda parce qu'on va faire un événement avec notre représentant de Joseph Ripkoff. Il va y avoir plein de surprises pour vous. Alors, je vais vous faire un petit rappel de toute manière pour vous inviter, mais je lance ça comme ça. On vous attend le 7 avril, puis bien évidemment avant aussi pour venir magasiner nos belles nouveautés qu'on reçoit à chaque jour à la boutique. À bientôt!